Bonjour à tous et que Dieu bénisse toutes les âmes en vie et que Dieu garde toutes les âmes qui ont quitté cette terre. Nous allons parler des bons sujets ce matin qui concernent le Congo, RDC. Ça fait immensément mal. Pourquoi tant de crimes? Pourquoi tant de crimes? Il y a des moments où je me pose la question, est-ce que les hommes ont quand même de l'estime pour d'autres êtres humains? Nous vivons dans un monde très dingue. Mais pourquoi toutes ces atrocités? À cause du fric. À cause du fric et fric. On tue immensément. Pourquoi? Que les gens et quand même de la pitié, de l'estime pour ceux qui tombent. Nous allons parler des bons sujets ce matin. Tout d'abord, nous avons au Congo RDC un génocide. La femme est devenue une arme de guerre. Les enfants sont devenus des esclaves. Quand on les prend par la force, on les prend par la force et on les dépose dans des mines pour qu'ils puissent soustraire du cobalt, du coltan, du tantal. Des enfants esclaves. Est-ce que quand les peuples votent pour leur nouveau président, est-ce qu'ils les votent pour aller faire des massacres ailleurs ou ils les votent pour qu'ils travaillent pour leur donner du travail? Mais non de tuer des êtres humains. Nous avons connu la première guerre mondiale, la deuxième guerre mondiale. Est-ce que ça a pris une leçon à des reptiliens et avatars dans ce monde? Son respect
Alors, close the door properly, please. Le couple Clinton. Oui, le couple Clinton. Ils sont dans pas mal des dossiers, des turbulences au Congo RDC. Le couple Clinton. Oui. L'Église catholique, le titre. Donc la 5. Donc la 5e, attendez, excusez-moi, je cadre bien le truc parce que ça va d'une vitesse. Voilà, je vais reprendre. L'Église catholique, donc la 5e, bah collabo. Donc ce sont des collabos. L'Église catholique, la 5e. La Congo RDC. Les sociétés secrètes écrans. Du clan Clinton au Canada et les autres faux membres de la communauté internationale, tous des assassins génocidaires sur les crimes du silence en RDC Congo. La fin des multinationales mafieux sur les grands crimes au Congo RDC. Oui, la fin. Donc au Canada, tout cela ont des sociétés secrètes. Les autres, c'est qui parmi les autres? Vous avez l'ancien président Junior Bush. Vous avez l'ancien président Barack Obama. Oui, et vous avez les Richard Branson, vous avez les Vincent Bolloré, toute la clique éclate. C'est ceux-là qui tuent immensément au Congo et ont des sociétés secrètes. Donc, je vais lire le titre, ce qui est noté là. Ce sont les forces vives de la terre qu'ils extraient, ils font, ils vont à la destruction de la terre mère. Oui, ça c'est vrai. Donc, ils commettent des atrocités invraisemblables. Des atrocités invraisemblables. Les reptiliens, oui, les reptiliens, ils se disent qu'ils ont le droit dans la vie de chaque être humain. Mais en réalité, ils n'ont aucun droit parce que la vie de l'être humain appartient à Dieu. Mais ils exécutent immensément des hommes au Congo RDC, oui. L'Église catholique, pour ceux qui adorent l'Église catholique, or l'Église catholique, si on se souvient bien, Léopold II, le message de Léopold II aux missionnaires, qu'est-ce qu'il leur a dit? Allez leur apprendre la parole, mais faites très attention car ils connaissent déjà leur Dieu. Mais les religions étrangères,
Mais quand on pointe ces religions étrangères, mais ne devront pas faire mal aux autres. Mais pourquoi? Pourquoi ils ne s'intéressent pas? La vérité. Il y a pas mal de gens qui n'aiment pas la vérité. Mais voilà pourquoi dans ce monde, nous devons savoir avec qui être amis. Voilà pourquoi je vais commencer à trier sur ma page les gens inutiles. Je vais les mettre dans la poubelle. Parce que moi, je m'occupe actuellement à pointer de doigt tous ceux qui font des massacres au Congo RDC. Mais le Congo RDC, je m'intéresse de la situation. Pourquoi? Parce que la libération de tout notre continent qui est l'Afrique sortira par le Congo RDC. Et pas mal des gens qui sont tarés, qui ont tué des innocents au Congo Brazzaville, qui se disent des militaires, et ce n'est pas des militaires, des tueurs. Et ils croient avoir le contrôle sur moi. Personne n'aura le contrôle sur moi. Les faux les tueurs, ils ne peuvent pas. Même les francs-maçons bidons, les Illuminati bidons, ils n'ont aucun pouvoir sur moi. Je suis un citoyen libre. Donc les Clinton, ils se disent qu'ils peuvent massacrer les Congolais du Congo RDC. Les Clinton se disent qu'ils peuvent envoyer plusieurs êtres humains à la mort. Les Clinton se disent, même s'ils ne sont plus à la Maison Blanche, mais ils ont le droit de faire des atrocités au Congo RDC. Mais voilà pourquoi nous devons nous intéresser à tous ceux qui quittent leur soi-disant château. Tous les gouvernements dont la communauté internationale, nous devons nous intéresser à cela. Quand un François Hollande a quitté l'Élysée, ça ne veut pas dire qu'il est allé à la retraite. Il tire toujours les ficelles. Parce que Hollande, il est sur l'affaire aussi du Congo RDC. Oui, les génocides, les massacres. François Hollande est aussi sur les dossiers du Congo Brazzaville. Des génocides aux poules. Toujours les minéraux. Ce sont des reptiliens qui adorent les minéraux. Mais ces minéraux-là, ce sont des vies que Dieu a mis. Mais ces minéraux-là ne devront pas servir à tuer des êtres humains. Mais ils tuent des êtres humains. Nicolas Sarkozy, lui aussi, il tire les ficelles. Même s'il n'est plus à l'Élysée. Tous des reptiliens. Et vous avez la grande compagnie qui se fait des grands chiffres d'affaires. Apple est sur pas mal des atrocités au Congo RDC. Vincent Bolloré, lui aussi. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vu aux États-Unis, ils ont une loi. Une loi qu'ils avaient appliquée, ils avaient mis installée cette loi. Aux États-Unis, quand vous avez des centaines de milliards dans un compte, ils voudront savoir d'où ça provient. Alors, donc, qu'est-ce qui se passe? Les hommes politiques véreux qui se cachent derrière les multinationales pour commettre des atrocités et pointer du doigt que ce sont les multinationales. Mais au fait, c'est enfoirés. Ils ont des
comptes, des comptes écrans. Je vais vous lire qu'est-ce qu'un compte écran. Voilà, c'est parti. Une société écran est une société fictive créée pour dissimuler les transactions financières d'une ou de plusieurs autres sociétés. Plusieurs buts sont recherchés lors de la création de la société écran. L'évasion fiscale, le blanchissement d'argent. Voilà. Voilà. Donc, tout est basé sur le fric et le fric. Les sociétés secrètes. Les sociétés secrètes, elles se trouvent au Canada. Mais voilà pourquoi les Congolais de Brazzaville qui se trouvent immensément au Canada, qui se disent opposants, moi j'ai les yeux grandement sur ces opposants, car la majorité travaille pour 8%. Un jour, la diaspora pourrie de Paris, du Congo-Brazzaville, me donneront un jour raison. Un jour, cette diaspora, je redis, du Congo-Brazzaville, qui adore les fesses et les fesses, me donneront raison un jour. Parce que parmi eux, il y a des francs-maçons. Il y a des Illuminati. Peu importe, je m'en fous de ce qu'ils pensent. Mais moi, je suis quelqu'un de véridique. Et nous avons besoin, aujourd'hui dans notre Afrique, qui va mal, des gens véridiques. Et non des gens qui jouent à double visage. Parce que les doubles visages sont comme la famille Clinton, qui joue double jeu aux États-Unis. Excuse-moi, il faut comprendre. Hein? Tu dis que ça coupe. Oui, je comprends ça coupe. Il faut savoir que c'est Facebook. Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Quand ça coupe, c'est Facebook qui coupe, qui font à ce que ça soit décalé. C'est eux. Il faut comprendre. Ils savent que je suis une personne très tangible. Ils savent que je m'intéresse et je parle des sujets clés. Et ils vont couper un peu. C'est ce qu'ils font. Tout à l'heure, j'ai mis le titre de la vidéo. Ils m'ont coupé. Hein? Voilà pourquoi je fais maintenant les directs. Je ne mets pas les titres, après je mets le titre. Il faut comprendre. Hein? C'est comme un arbre de mangue. On n'attaque pas. On ne fait pas tomber des mangues n'importe comment. On touche toujours un manguier qui produit des belles mangues. C'est comme la diaspora congolaise de Brazzaville. Quand je suis dans des directs avec des amis, ils viennent pour espionner. Mais la plupart là du Congo-Brazzaville, le jour où je vais descendre dans mon pays, qui est aussi la France, il y a pas mal que je ne donnerai jamais ma main. Il y a pas mal, jamais ils vont me faire la bise. Parce que les bises de Judas et leur bonjour de Judas, je n'en veux pas. Moi, je suis une personne sec et sec. Les enfoirés, je ne les aime pas. Les gens au double tranchant, les gens qui jouent au double jeu, je ne les aime pas. Non. Non. Parce que je suis une personne véridique. Donc les Clinton et la famille même Bush, ils tuent immensément au Congo RDC. Nicolas Sarkozy, lui aussi, et François Hollande, ils ont tous des comptes secrets au Canada. Au Canada, ils ont des comptes secrets.
Nous allons suivre tout d'abord ce qui fait que le Congo est sur des attaques terribles. Des attaques terribles. On extermine. Mais est-ce que c'est normal? Regardez, une église qui dit qu'ils sont là pour les gens, mais l'église, elle tue. Essayez un peu de comprendre. L'église catholique, la Cinco, c'est tous des collabos en RDC. Et ils aiment que le sang coule parce qu'ils mangent. Ils mangent, on leur donne de l'argent, des dollars. Mais attendez, pourquoi le nouveau président Donald Trump, pourquoi il veut mettre toute la main sur tous les grands détournements de fonds que le clan de Kabila ont fait au Congo RDC? Il y a des centaines de milliards de dollars que Hippolyte Kanambe a détournés au Congo RDC. Et il y a eu à cette époque des grandes transactions, des business frauduleux sur le blanchiment de la cocaïne qui se faisait au Congo RDC avec le clan de Kabila. Donc, Donald Trump, il veut mettre la main sur tous ces dollars-là parce que Hippolyte Kanambe est un élément très dangereux pour la société, hein, pour la société américaine. Donc les Américains, ils ont l'œil sur le Congo RDC. Vous vous souvenez à l'époque? À l'époque, Hippolyte Kanambe pourrait rien envoyer sa bande de tueurs pour tirer sur les Congolais. Mais est-ce qu'aujourd'hui il le fait? Il le fait plus. Pourquoi? Parce que les Américains, il y a pas mal des Marines qui sont au Congo RDC. Et Donald Trump, lui, il est pour le peuple congolais. Donald Trump, il veut mettre fin au jeu frauduleux de cette mafia, la mafia ancienne, la mafia des multinationales, mais qui ne sont pas venus pour servir le Congo RDC et le peuple congolais, ainsi que le peuple du monde. Mais ils sont venus juste pour se servir et faire ce qu'on appelle des atrocités terribles au Congo RDC. Qui dit le Congo RDC? Dit le Congo Brazzaville, parce que le Congo Brazzaville détient aussi des minerais. Qui dit le Congo Brazzaville? Dit le Gabon. Le Gabon détient aussi immensément des minerais. Qui dit le Gabon? Dit le Cameroun. Qui dit le Cameroun? Dit le Togo. Qui dit le Togo? Dit le Tchad. Et dit tout le reste de l'Afrique, où est-ce qu'il y a des minerais. Et ils s'intéressent aujourd'hui, les Américains, le nouveau gouvernement de Donald Trump. Mais quand je regarde Donald Trump, je dis merci à Dieu le Tout-Puissant qui a créé le ciel et la terre d'avoir placé cet homme-là. Parce que cet homme-là, il va en découdre avec les dictatures de double tranchant au Congo RDC, ainsi que dans le reste de l'Afrique. Parce que les Américains savent qu'ils ont le devoir aujourd'hui de mettre fin au jeu des Clinton et au jeu de Barack Obama et au jeu de Nicolas Sarkozy et François Hollande. Les Américains le savent bien. Ils savent qu'ils devront mettre fin à leur jeu. Parce que leur jeu tue immensément des gens. Donc, la conversation est
assurer zut. Je n'entends qu'une partie des mots. Oui, oui, excusez-moi. Il faut comprendre que c'est Facebook. Ce que je dis, il y en a qui sont en train de couper. Il faut comprendre. Mais Facebook travaille pour les multinationales qui tuent au Congo RDC. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Facebook est une boîte, oui. Hein? Mais soi-disant, la communication libre, mais en réalité, non. Non. Aujourd'hui, on s'attaque à tous ceux qui sont en train de dire la vérité sur le sujet du Congo RDC. Et ils sont en train de couper, couper, couper. La conversation est assurée, zut. Je n'entends qu'une partie des mots. Oui, mais le reste des mots, eux, ils coupent. Ils coupent. Mais c'est triste, hein? Donc, nous devons tout faire de sortir du monde des reptiliens. Les reptiliens qui tuent immensément au Congo RDC. Ça va finir. Donc nous allons voir pourquoi il tue les gens au Congo RDC. Donc, je vais redémarrer.
Excusez-moi, il y a un peu des trucs qui frisent dans la tablette. Je restart. Je suis en train de remettre la tablette en marche. Quand je dis que pas mal doivent s'intéresser au sujet clé du Congo RDC, mais c'est la vérité, les gens doivent s'intéresser. Tous les êtres humains vivant sur cette terre doivent s'intéresser au sujet du Congo RDC. Parce que ceux qui ne s'intéressent pas, ils n'ont rien compris. Ils doivent s'intéresser, hein. Le combat que moi je suis en train de faire avec les autres qui sont des vrais. Mais nous faisons un combat pour libérer l'Afrique. Moi je ne me suis pas levé dans le combat pour pouvoir jouer. Non, jouer ça ne m'intéresse pas. Je me suis levé dans le combat pour la libération de l'Afrique. Je me suis levé dans le combat pour la réalité, hein. Et je veux que tout noir soit respecté sur terre. Parce que le peuple noir, on les tue. Le peuple noir, on l'exécute immensément en Afrique. On les tue. Les femmes sont violentées sexuellement à cause des minéraux de notre sous-sol et les minéraux de terres rares. Vous avez le cobalt, vous avez le tantal, vous avez le coltan, des minéraux qui viennent du Congo RDC. Et ça intéresse à des multinationales véreux et à des hommes politiques véreux. Mais des hommes politiques véreux qui se cachent derrière les multinationales pour faire des atrocités terribles. Parce qu'ils aiment ça. Ils aiment ça. Et la plupart des anciens gouvernements, hein, sont au fait, en réalité, des multinationales. Parce que de fois, les gens croient que les multinationales, ce n'est qu'un patron qui a une grande société en Europe ou aux États-Unis. Mais non, il n'y a pas que eux. Les hommes politiques, ils ont mis aussi la veste des multinationales. Et ils commettent des atrocités terribles. Mais regardez, pas mal, au lieu d'avoir des comptes dans leur pays, ils n'ont pas des comptes de l'argent, des transactions frauduleuses. Ils n'ont que des comptes, eux tous, écrans. Au Canada. Mais le Canada, c'est un secteur dangereux. Quand vous regardez les Canadiens, ils vous parlent toujours bien. Non, nous, on n'est pas dans les trucs bizarres. Mais ils sont dedans. Mais le Canada, toutes les constructions qu'ils se tapent au Canada, ils ont l'argent où? Mais c'est l'argent du sang, l'argent qu'on tue en Afrique, l'argent qu'on ne paye pas des étudiants en Afrique, qui sont placés au Canada par des dictateurs. Et ces dictateurs sont soutenus par des hommes soi-disant démocrates. Mais en réalité, ils ne sont pas des hommes démocrates. Ce n'est pas des hommes démocrates, des assassins. Des assassins au service de Satan Lucifer. Pour eux, exécuter le peuple, c'est une bonne affaire. Ils aiment cela. Ils aiment cela. Voilà pourquoi, vous voyez, vous tous qui avez des pages dans Facebook,
essayer de mettre la protection, il y a une deuxième protection à part le code que vous avez. Mettez une deuxième protection quand quelqu'un cherchera à voler votre compte. Il ne pourra pas. Il faut sécuriser vos comptes dans Facebook et vos adresses de email. Si quelqu'un dans Facebook que vous connaissez pas vous demande votre adresse, ne donnez jamais, parce que avec les adresses de email, ils arrivent à détourner les comptes des gens. Oui, c'est des, il y a des gens qui sont envoyés dans les réseaux sociaux pour pirater les comptes des gens. Faites excessivement attention. Et je donne un conseil aussi aux femmes qui sont dans les réseaux sociaux. Si on vous invite par des gens que vous ne connaissez pas, n'allez jamais. Parce qu'il y a pas mal de reptiliens qui sont à la recherche du sang humain. Ils sont à la recherche des organes. Écoutez-moi. Ne vous en faites pas. Dieu le Tout-Puissant, il est au contrôle de tout. Il est au contrôle de tout. Tous ceux qui ont des doubles visages à mon égard, Dieu me le montre. Dès que je regarde seulement les gens, je sais ce qu'ils pensent. Dieu me montre. Nous vivons dans un monde, la vérité, elle dérange. Il y a pas mal de gens qui n'aiment pas la vérité. Vous voyez, depuis longtemps, tout ce que je suis en train de dire, si je racontais de n'importe quoi, si j'étais un dingue des dingues, depuis, je vous assure, il allait avoir pas mal de policiers qui allaient tomber sur moi. Est-ce que vous voyez? Mais pourquoi ils ne tombent jamais sur moi? Parce qu'ils savent que celui-là, tout ce qu'il est en train de dire, c'est la vérité. Ils savent que je ne suis pas un danger pour la France ou les États-Unis ou ailleurs. Voilà pourquoi on me laisse faire ce que je dois faire. Mais si j'étais un danger, mais depuis ils allaient tomber sur moi, mais je ne suis pas un danger. Je suis quelqu'un qui est là pour dire toutes les transactions frauduleuses de ceux qui exécutent des vies. Comment des êtres humains qui respirent, des êtres humains qui ont la possibilité de vivre sur terre parce que c'est Dieu qui les a envoyés, on les tue, on les enlève de la terre. Est-ce que c'est normal? Bonjour pour ceux qui viennent de joindre ce direct. Est-ce que c'est normal? C'est pas normal de tuer des vies. Mais l'être humain a le droit de vivre parce que c'est Dieu qui l'a envoyé sur terre. Mais on ne tue pas des êtres humains parce qu'une petite minorité, des gens mafieux, veulent avoir tout pour eux. C'est incroyable. Qui pouvait imaginer des gens qui ont dirigé les États-Unis avant sont dans des affaires de criminalité au Congo RDC? C'est triste. Donc, vous tous qui faites les directs sur Facebook, vous devez comprendre que Facebook travaille pour les grands multinationales qui tuent au Congo RDC ou qui tuent au Gabon ou au Congo Brazzaville ou ailleurs.
Mais Facebook, est-ce que Facebook peut blaguer avec le président Donald Trump? Non. Parce que Donald Trump, il est là pour la vérité. Donald Trump, je vous assure, ce homme-là, il va mettre fin à pas mal des jeux des reptiliens et des avatars. Parce que Donald Trump, lui, il n'aime pas les gens qui marchent comme les serpents. Dans le combat de l'Afrique, vous avez des gens qui se disent combattants, mais ce n'est pas des combattants. Ils marchent comme le serpent. Oui. Mais ça va finir. Parce que Dieu est un Dieu de justice. Il ne dort pas. 15 years from now, I suspect every car on the road will be electric. Richard Branson, the Playboy billionaire, Warren Buffett, the world's number one investor. Nous allons suivre Richard Branson et tous les grands multinationales qui sont en train de faire beaucoup de centaines de milliards. Mais est-ce que les milliards qu'ils se font, est-ce qu'ils aident les populations, les peuples en Europe ou aux États-Unis? Non. L'argent, ce n'est que pour eux. Mais écoutez, nous avons affaire à des gens mesquins. Des gens qui croient que le pognon, qui croient que l'argent ce n'est que pour eux. Et les autres doivent être des esclaves. Parce que l'esclavagisme d'hier, ne croyez pas que c'était aboli. Aboli, oui. Il n'y a plus des gens qu'on met des chaînes. Les mains ou les coups ou les pieds. Mais ça continue. L'esclavagisme moderne, plus dangereux que l'esclavagisme à l'époque. Et surtout, il y a un phénomène qui est terrible en Afrique. Vous avez certains Africains qui attachent des gens avec des chaînes aux pieds. Ils le font à des enfants. Mais c'est terrible. Qu'est-ce qui ne va pas dans la tête de certains Noirs? Mais la colère de Dieu, elle va s'abattre sur cette terre. Vous voyez, le jour ou la nuit, Dieu peut envoyer des étoiles pour détruire une partie de la terre. Parce qu'il l'avait fait avec Sodome et Gomorre. Et la terre que nous vivons actuellement, mais c'est une terre très digne, Sodome et Gomorre, la continuité. Nous allons suivre les multinationales qui tue au Congo RDC. Et derrière ces multinationales, vous avez le clan Clinton, vous avez le clan de François Hollande, vous avez le clan de Nicolas Sarkozy et vous avez le clan de Barack Obama. Mais sauf eux, on ne les voit pas devant, ils se cachent, mais ils ont des comptes écrans au Canada. On va suivre. Les multinationales en RDC. 15 years from now, I suspect every car on the road will be electric. Richard Branson, the Playboy billionaire, Warren Buffett, the world's number one investor, Larry Page, founder of Google, and PayPal co-founder Elon Musk are all heavily involved in the electric car business. It's not only these mega billionaires who are making big bets on the future of a carbon-free, gasoline-less world. The car industry and the investment community are also pushing this trajectory hard. BMW, Volkswagen, and Mercedes-Benz are setting the tone for a new wave of plug-in electric vehicles. Nissan, General Motors, and Toyota have been phasing out their top-selling plug-ins as they make room for redesigned models. Ford is a powerhouse electric car manufacturer, as well as Renault. Tesla's market cap has just surpassed that of General Motors. Tesla is not making profits, yet the world is banking on this newly launched company more than on the brand recognition, reputation, knowledge, network, and experience of the almighty General Motors company. Why? It's due to the fact that Elon Musk is considered a visionary, a man that is going to change how we drive and how clean our world is when it is emission-free. Why do we even call it the Gigafactory? It's because it's actually going to be, it's not just going to be the biggest lithium-ion battery factory in the world, but it'll actually be bigger than the sum of all lithium-ion factories in the world. So if you add up all the lithium-ion factories in China, Korea, Japan, elsewhere in the world, and you sum them all up,
and all of their production capability last year, the Gigafactory is actually bigger than that. Gasoline-powered cars are going to face political headwinds as well as consumer protest. The world is urbanizing, and with billions of people living in urban centers, it is certain that pollution will be one of the hottest and most talked about political themes of the coming two decades. But there's a huge problem facing all manufacturers. It's the type of bottleneck issue no one in the industry wants to see coming to fruition, and one that no one wants to address openly. Lithium-ion batteries power electric cars. These batteries are made with lithium, which the world has sufficient amount of, but it is also made with cobalt. In fact, there are more kilos of cobalt than lithium in these batteries, so the proper name for them should be cobalt-powered batteries. Cobalt is not only critical for the existence of the electric car market, it's also a deal breaker for smartphones, which depend on it. Not only does cobalt go into every iPhone, it is one of the only minerals suitable for super alloys, which are required for things such as turbines, power plants, space vehicles, and rocket engines. The problem is in the origin of the cobalt ore, the actual place in the ground of our planet from which this mineral is being dug out of is in the Republic of the Congo, and I hate to say it, but the people mining it and making our lives in the Western world cleaner, better, and helping us save our planet aren't really people. At least they're not being treated as such. These are children, and the mines the cobalt is sourced from are called blood mines. There are thousands, not tens, not hundreds, but thousands of unmonitored, unregulated mines in the DRC. These mines are packed with modern-day slaves, working 12-hour shifts in the scorching heat, and by the end of the day, they've earned the equivalent of $1. It's one of the poorest nations in the world, but it's rich with minerals. And though the natives thought they have triumphed the European colonial days of exploitation, it looks like nothing has changed. Much of the work is done manually with primitive tools and hazardous conditions. No matter what the weather conditions are, the race for cobalt continues around the clock. It's an army of children at the heart of the cobalt industry. And the laptop you're watching this on, the smartphone you'll be sharing this with, and the electric car you were anticipating to purchase will all have the sweat and tears of these children. Now, the tunnels in these mines collapse often, but there is no safety equipment, and the cobalt is sorted from the dirt by hand, making the children breathe in the fumes without any masks or gloves, which causes lung problems. Multinational corporations, of course, are denying these allegations, claiming they can't trace the source of the ore because there are too many middlemen. But I can tell you, that's just public relations talk and lawyers drafting notes to speakers so they can preserve the image of a friendly company, all while the billions they earn are on the backs of innocent 8-year-old children that were simply born in the wrong country at the wrong time. Let's recap this business model. Western and Chinese companies go into poor villages, negotiate with heads of their community by offering a fat bribe, and the riches of the ground are exported to our laptops, smartphones, and electric cars, while the people finding them for us remain poor, often not eating for over 20 hours, their village polluted by the mine, their water system contaminated with toxic minerals, and they are left with nothing to show for all their hard work. No roads are built, no schools are constructed, no hospitals are donated. The miners get their bottom line profits and decimate the locals' way of life. The Congo can be as rich as Saudi Arabia, yet babies are dying of malaria daily because entire villages are being moved to clear the way for mining and the new locations sit on contaminated land. Experts that I've spoken with say that 30 to 60% of Congo's cobalt is in these blood mines, but that there are legitimate projects as well. In fact, more and more companies are realizing the unsustainability of blood mining and child labor and are positioning themselves as clean players in the market. This is setting the example, and when international organizations pound the legal table on these illicit miners, the legitimate companies are set to benefit immensely from being ethical. Elon Musk has pledged that this cobalt will come from North American sources, yet there are zero active producers at the moment. A number of companies are staking ground right now and moving forward with drilling programs
miners in order to become America's premier cobalt miners and supply honest minerals to the gigafactory of Tesla and to many companies such as HP, Microsoft, Apple, Mitsubishi, and Samsung who rely on cobalt supply. I have no desire to keep what I've learned about this terrible situation to myself, and as an investor and founder of Wealth Research Group, I look at this situation with practical eyes, not just with idealistic ones. While I wish the world will see our point of view and change today, I know it doesn't happen that way. So to make sure this behavior and these practices against children, mothers, fathers, and human beings as a whole, people like us, start to end today, we've put together an actual business and political course of action to impact business leaders such as Elon Musk and Tim Cook, CEO of Apple, to join the cause and expedite change on one hand, and on political leaders such as President Trump and U.S. Secretary General Ban Ki-moon to enforce regulations on multinational companies. These people could have been you and I. It is sheer luck that placed us in the Western world at birth and not in Africa. But we can use our status and our wallets, portfolios, and voting power to influence change and bring on prosperity. First, as people with social media accounts, we can make sure that all people know about this grave injustice and medieval-type working conditions being enforced inhumanly upon starving children. This will get the public awareness going and people will begin researching, but we don't want to just leave it at that. People tend to forget the burning issues of today because they have their own lives to focus on. So secondly, we use our power to pressure leaders. We force political and business change. On the screen and in the description below the video, you'll find the Twitter handles of Elon Musk, Tim Cook, Richard Branson, Tesla, Apple, President Trump, and Congo Ambassador. And in this exclusive report, we prepared two versions of template text to copy and paste to send to them at wealthresearchgroup.com/stop child labor. That's wealthresearchgroup.com/stop child labor. Our hope is that with enough legitimate viral firepower, the message that we send to these decision makers is that we will not condone blood cobalt in our everyday products. It's not worth the price of knowing that thousands of children are hurt, get sick, and die so we can send a text or watch a movie online. The third step is one that I'm taking personally and have suggested to other fellow investors in my situation. I intend to own shares of public companies that have business models that promote clean cobalt. By doing that, I hope to drive forward projects that will make the near-term cobalt mines come into production more modern, paying fair wages, using safe equipment, and allocating some of the funds to environmental work to help the local communities and build a just future. With the proceeds, I can even choose to donate to African children to help to bring fresh water, food, medicine, shelter, and clothing to many who are suffering today. By owning shares of the well-run businesses, we suffocate the funds out of the blood miners and help bring about change. Wealth Research Group has identified a group of proven serial entrepreneurs that have decades of reputable and profitable mining experience behind them. And their business plan includes building a mine in a cobalt-rich historical area of Canada, as well as entering the Congo and taking ownership of a solid and business-friendly cobalt asset with no child labor at all. When we dug through the cobalt mining industry, we uncovered two astounding facts. One, cobalt is mostly a byproduct of nickel, copper, and silver mines. Only 2% of worldwide cobalt is mined primarily. Two, there are no ETFs, no investment funds, or even cobalt-focused miners, since it's mostly a byproduct. This is extremely important, as all investors will have to look to pure cobalt exploration stocks. What I've looked for was a safe jurisdiction where civil wars and political nationalization are out of the question entirely. Since other sources of cobalt are places like Cuba and Russia, where the government isn't to be trusted as well, Canada is the ultimate resource country, and I've been following one company closely. The full report on this opportunity can be found at wealthresearchgroup.com/cobalt. That's wealthresearchgroup.com/cobalt. In order to bring about change, one has to have abundance. No one can give others what he or she doesn't have themselves. That's the reason I became an entrepreneur and the reason my partners and I built our newsletter company to strengthen the financial fortresses of those who seek to make our world better using honestly earned capital and not cheap debt, bribes, or other inappropriate manners.
Let's advance this three-part plan. Get involved with whatever steps are relevant to you, but please don't stay silent in the face of injustice, as this is our planet and we all deserve to live a life of peace and opportunity. Step one, make people aware of this. Step two, apply political and viral pressure on decision makers using social media, emails, petitions, and phone calls. Use our template at wealthresearchgroup.com/stop child labor. That's wealthresearchgroup.com/stop child labor. Step three, consider aligning your investment portfolio with the companies that intend to bring about change and get paid for doing so. Check out the research we put together on this talented group of people heading this newly formed under the radar company at wealthresearchgroup.com/cobalt. That's wealthresearchgroup.com/cobalt. Thanks for watching and sharing this video. Voilà. Donc nous avons suivi les œuvres des multinationales au Congo RDC. Mais attention, quand on vous parle des multinationales, il n'y a pas que les multinationales qui sont en train de soustraire du cobalt, coltan, tantal, uranium et grands minéraux sur le sol du Congo RDC. Pas mal de minéraux sont volés au Congo RDC. Et le seul pays en Afrique qui détient ces grands minéraux qu'on appelle le cobalt, un minéraux voulu par tous les systèmes de la technologie. Les blocs opératoires, ils ont des appareils bien sophistiqués. C'est grâce au cobalt. Cobalt, tantal, le coltan. Et donc, pour ces minéraux-là, il y a des atrocités terribles. On abuse des enfants. On fond dans des mines pour soustraire le cobalt. Vous verrez tout à l'heure, je vous montrerai, des enfants de 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans. Ils travaillent dans les mines du cobalt. Ils ne vont pas à l'école. Et parmi eux, il y a beaucoup qui n'ont pas connu le pont de l'école. Imaginez. Un calvaire total. Et pendant ce temps, on nous parle de démocratie. Et on nous parle que le monde est un monde de paix. Mais en réalité, non. Non. C'est un monde des voyous, un monde des criminels. Nous allons lire un dossier que Amnesty en fait. Alors, ils disent, Planète, Apple à l'avant-garde, Renault mise en demeure de mieux faire. Amnesty a évalué le respect des droits de l'homme par une trentaine des multinationales qui s'approvisionnent en cobalt en République démocratique du Congo, dans un rapport publié mercredi. Et je descends. Les gérants industriels ne font pas nécessairement face aux allégations de travail des enfants dans les chaînes d'approvisionnement en cobalt pour les batteries